Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans l'auditorium du Palais du Pharo pour la deuxième édition des Trophées de l'innovation lancée par l'IRD. Science for Action, la science pour l'action, ce sont notamment les travaux de 9 doctorants qui ont fait acte de candidature à ce concours international. Les Trophées de l'innovation mettent en lumière et récompensent des projets innovants à fort impact dans les pays du Sud et qui répondent aux objectifs de développement durable et aux défis sociétaux portés par l'IRD. Ces projets doivent s'inscrire dans une démarche interdisciplinaire, mobiliser des partenaires socio-économiques et avoir une réelle valeur ajoutée par rapport aux solutions déjà présentes sur le marché. Le jury est composé de 5 membres. Ils sont là, parmi nous, au premier rang. Valérie Verdier, bonsoir, présidente directrice générale de l'IRD. Salma Kabbaj, cofondatrice d'Impact Lab, incubateur africain. Vous êtes basée à Casablanca. Siti Choké, Tangfat Sornuang, directeur exécutif adjoint de Biotech NSTDA, l'agence nationale thaïlandaise d'accélération de la science, de la technologie et de l'innovation. Vous êtes basé à Bangkok. Hamilton Lopez-Caro, responsable du centre d'entrepreneuriat à l'Université de los Andes en Colombia. Carmela Lopez, analyste en innovation au sein du FIDA, le Fonds international de développement agricole rattaché aux Nations Unies. Le jury, présidé par Valérie Verdier, a la lourde responsabilité de choisir parmi les 9 nominés 3 candidats chercheurs et doctorants par continent pour l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, Caraïbes. Le jury choisira un lauréat par continent, 3 continents, donc 3 lauréats, qui seront récompensés pour leurs projets innovants et à fort impact. Chaque candidat a 3 minutes pour convaincre. Each one of you have 3 minutes to convince. Sans plus attendre, nous lançons les pitchs Asie. We are thrilled to announce the launch of our Asia pitch. We are honored to welcome Ratha Moon. Yes. Bonjour Ratha, vous venez du Cambodge et vous allez présenter un système de gestion écologique des termitières pour une agriculture durable. Ratha, the floor is yours. 3 minutes. Merci Nathalie. Hello. One day, my mom asked me, what am I doing for research? And I told her that I work with termite mound. And she looked so confused. But termite mound could change the way we farm in Cambodia, and not only. Let me explain. I come from a farming family in Cambodia. Mainly, we grow rice. And our soil is sandy and infertile. To improve the soil fertility, we rely on expensive fertilizer available in the market. It's often consume about 40% of our revenue, and even worse, it's not sustainable with time. And this is not a unique challenge to us. It's widespread in Cambodia, and leading more and more farmers abandon their land, seeking for the job in abroad. But we have available resource in the nature, which is termite mound. In the past, farmers used the soil from termite mound as the one you see on the screen as a natural fertilizer. And our project is to bring this solution back with more sustainable management of termite mound soil. This soil enriched in nutrients and other elements important for plant growth. Termite mound soil improved water retention, which is crucial in the area facing water scarcity. And the best part is that this mound will keep regenerating if we know how to manage it properly. We need to act quickly before this resource disappears completely, because the process to have such a mound is very slow.
with our team, we aim to create a clear protocol for using termite mound soil in a sustainable way for provide endless ecosystem system service. And this will help the farmer who rely on expensive fertilizer and who are looking for an affordable and sustainable solution. And to put this into practice, we aim to raise awareness by creating a community space to share the practice and to connect the farmer with the local people, with the scientists and the market. And this is our vision. And to turn this vision into reality, we need your support in terms of funding, resources, and together we will create lasting change for the farmer and environment. And even my mom would be proud of me working with Termite Mound. Thank you. Thank you, Rata. Thank you. Bravo. Please have a seat. Bravo, Rata. J'appelle tout de suite un autre étudiant, un chercheur qui arrive du Cambodge, Kakada Oum. Kakada, elle est avec nous ce soir pour présenter... Hello. Yep. Thank you. Elle va nous présenter un projet d'exploitation du microbiome associé au riz pour une riziculture durable. Kakada, the floor is yours. Two minutes. Yes, thank you. Hello. Pesticide is known to cause death, even in a small dose. In 2021, there's an accident that caused 20 cows dead by drinking the pesticide-contaminated water, and it was in the rice field. Imagine if this happened to human. It might cause a very serious problem. That's why we need to find the alternative solution for that. Today, I am excited to present you a game-changing solution, biopesticide. Rice is crucial for Cambodia's economy. It supports over 80% of rural households, yet it faces challenges due to pests and disease. To combat that, farmers have to rely heavily on pesticide, which is expensive and harmful. Our solution is different. We offer a biopesticide, which made from natural microorganisms that found in rice plant. This microorganism is completely safe. It acts as the probiotic to prevent pests and disease in rice. Meanwhile, it also safeguards our health, animals, and environment. Here are three reason why our biopesticide are the best choice. One, economic benefit. By reduced yield loss, farmers can gain more profit. Plus, using the eco-friendly products can open a premium international rice market to Cambodia, and this is what we needed right now. Two, environmental and social impact. By cutting down the harmful chemical pesticide, we can prevent soil and water pollution. Meanwhile, we also can support the sustainable development goal. Three, scalability and collaboration. We are the first one who do this project in Cambodia right now. And we've worked closely with farmer, research institute, national and international like IOD, and government staff to develop the sustainable agriculture in Cambodia. So, it is the opportunity for us to gain the competitive edge as the early adopter. Now, we have the products in hand, and we are seeking for support as technical and also financial to bring this product to the market. Let's work together to stop pesticide incident and make our rice farming safer. Thank you. Thank you. Thank you, Kakada. Please have a seat. Vous pouvez les applaudir chaleureusement, je crois, tous. Et j'accueille à présent Tyson Nguyen. Tyson vient d'Hanoï, au Vietnam, et présente le projet ARIDNA, l'ADN environnemental, une solution à la résistance aux antibiotiques. C'est à vous, 3 minutes. Merci.
Hi. When I was a kid, I saw my father throw outdated drugs into his garden, thinking they would help the plants. But little did I know those were antibiotics. Now, with my current knowledge, I realize that his actions likely contributed to something much more serious, the emergence of antibiotic-resistant bacteria that carry antibiotic-resistant genes, in short, ARGs. These resistant bacteria can then spread into various environments, particularly water, where they can enjoy the good swim. Antibiotic resistance is a global crisis. In fact, according to WHO, approximately 4.9 million deaths globally each year due to antimicrobial resistance, in short, AMR. The idea that even common bacterial infections like strep throat can one day become untreatable due to AMR terrifies me, and it should concern us all. And it will be tragic if this outcome is caused directly by the sources of our daily use water. Why am I sharing these stories with all of you today? Because it's time for us to change our mind, to consider AMR, particularly ARGs, as a gold standard of water management. We need a real-time surveillance system for tracking ARGs in water so we can intervene in a timely manner. Methods for detecting AMR exist, but they have limitations like creating bias or missing ARGs in low abundances, and are time-consuming, often require growing bacteria while many bacteria can't be grown in the lab. Our project, RE-DNA, will address this gap. It's a turnkey solution that includes a portable sampling process toolkit, a computer pipeline for automatic report analysis, and a subscription to a database. And this database can be used by stakeholders interested in water surveillances around the world. Our project will target research teams and organizations responsible for monitoring the water quality, providing them an operational tool useful for research studies and surveillances. Our project will therefore help them identify hotspots, determine drivers responsible for the emergence of resistance, track the spread of AMR, and assess the risk for human and animal in One Health context. We aim to collaborate with research partners like IRD, industries like wastewater treatment plants, organizations involved in water management, and last but not least, public health authorities. Together, we can create a significant impact in preventing the spread of AMR, keeping water sustainable, and making people conscious of what they put in water. Thank you. Thank you, Tyson. Please have a seat. Thank you also Rata and Kakada. Après l'Asie, nous partons en Amérique latine et dans la Caraïbe. Después de Asia, nos vamos a América Latina y el Caribe. Même principe, trois doctorants, trois projets pour un vainqueur. J'invite tout de suite Pablo Lara à me rejoindre sur la scène de l'auditorium du Palais du Faro. On l'applaudit, Pablo. Hola. Merci, Nathalie. Pablo vient du Pérou et il va nous présenter un système d'alerte précoce au tremblement de terre. 3 minutes. Desde el año 2000, los terremotos han causado 700.000 muertes. Solo en el año 2011 han causado 235.000 millones de dólares en pérdidas económicas en Japón. Los terremotos son el desastre natural más catastrófico. Siempre han existido y siempre van a ser una amenaza permanente para nuestras vidas. Ahora, ¿ustedes imaginan tener un sistema que envíe los mensajes de alerta más rápidos del mundo a fin de minimizar tanto las pérdidas económicas como el riesgo de vida? Yo soy Pablo Lara, soy candidato a doctor de la Universidad Côte d'Azur, aquí en Nice, en Francia. Tengo más de 10 años de experiencia como sismólogo en el Instituto Geofísico del Perú. Hoy vengo a presentarles con mucha alegría a E3WS, un sistema que revoluciona los sistemas de alerta alrededor del mundo. Los sistemas de alerta tradicionales requieren que múltiples estaciones registren un terremoto. Usando la velocidad de la luz, que es la velocidad de las comunicaciones, envían un mensaje de alerta a la población. Sin embargo, mientras más esperemos que las estaciones distantes registren un terremoto, menos tiempo de alerta va a tener la población. E3WS soluciona este problema usando solo un sensor y 3 segundos del terremoto, consiguiendo entre 5 y 10 segundos antes que otros sistemas de alerta.
Estos segundos son vitales, puesto que puede significar o la vida o la muerte. E3WS es el único sistema del mundo creado bajo inteligencia artificial, lo que lo hace no solo eficaz, sino también rápido. Su alta flexibilidad hace que pueda ser instalado en sensores de alta gama, que cuestan $15,000, o en sensores de baja gama, que son los sismómetros Raspberry Shakes, unos sismómetros pequeños de $600. Esta característica lo hace accesible para cualquier país, independientemente de su economía. E3WS no es solo teoría, es una práctica. Con mucha felicidad les presento el sistema de alerta sísmico peruano, en el cual E3WS es el algoritmo principal de este sistema y que pronto beneficiará 18 millones de personas. Y además ha sido testado con éxito en Perú y en Colombia. Y es por eso que tiene un índice de TRL alto, que es 9, lo cual ha sido probado en misiones reales. Por último, quiero crear mi empresa y aliarme a la empresa Raspberry Shake para poder masificar E3WS alrededor del mundo. Hoy es el día que podamos demostrar y dar un paso significante en la precaución y en la respuesta ante terremotos alrededor del mundo. Gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Por aquí. Ahora llamo María José Tolsa. On peut l'applaudir. Hola, María. Hola. C'est une jeune chercheuse péruvienne qui va présenter un indice de surveillance épidémiologique des virus zoonotiques. C'est à vous. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre influenza, coronavirus y más recientemente MPOX? Estos son parásitos zoonóticos que se transmiten de los animales a los humanos y cada año su presencia y actividad van en aumento. Estos surgen cuando hay un desequilibrio en la naturaleza y eso se traduce en billones de muertes humanas, billones de dólares en costos económicos y miles de especies en peligro de extinción. Estas cifras hacen resaltar la necesidad de invertir en su prevención y en su control. Hasta ahora, los métodos tradicionales han considerado que un parásito puede infectar a una especie y eso es totalmente erróneo. Un parásito puede infectar a cientos de especies, incluidos el hombre. Hola, soy María José Tolsa García, vengo de México y pertenezco al Laboratorio Mixto Internacional El Dorado. Y hoy les quiero presentar una herramienta analítica que es un índice, el cual considera las comunidades de animales como el origen de los parásitos zoonóticos. Este índice considera sus abundancias, sus presencias, identidades e interacciones. Y da dos resultados. El primero es un número que va del 1 al 10, donde 10 significa muchas infecciones. El segundo resultado sugiere especies importantes para la transmisión. Este índice ya lo he probado en 90 comunidades de aves y mosquitos y un virus que se transmite entre ellos en localidades de Francia, Alemania y México. Y encontré que comunidades rurales y urbanas tienen un mayor riesgo de infección. La bondad de este índice es que es barato, aplicable a otros parásitos y aplicable a otras escalas geográficas. Para consolidarlo, es necesario la expertise de un grupo de personas como antropólogos, comunicólogos, ecólogos y matemáticos. Una vez consolidado este índice, puede ser una herramienta muy útil para la toma de decisiones, salvar vidas, disminuir costos económicos y ayudar a la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el 13, el 3 y el 15. Finalmente, me gustaría dejarlos con esta reflexión. ¿Por qué no utilizar a las comunidades de animales para salvar vidas humanas? Muchas gracias. Gracias, María. À présent, j'invite Camila Prudente à me rejoindre sur la scène. Hola, Camila. Camila
arrive d'Argentine et elle va présenter un système local d'alerte hydroclimatique et météorologique. C'est à vous. Buenas tardes. ¿Sabían que las inundaciones y las sequías en Argentina generan pérdidas por más de 4.000 millones de dólares al año? En una localidad al noreste de Argentina, llamada Bermejo, los productores agropecuarios sufren de estos fenómenos que les generan pérdidas de ganado y deterioro de cultivos, afectando su fuente de ingresos diarios. Soy Camila Prudente y estoy haciendo mi doctorado en meteorología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y les vengo a contar sobre Versátil. Bermejo, sistema de alerta temprana, hidroclimática y local. Este proyecto busca reducir los impactos por eventos de inundaciones y sequías que sufre la población de Bermejo mediante la coproducción de un sistema de alerta temprana. ¿Qué quiere decir esto? Mediante el diálogo entre la comunidad científica y la comunidad local, se buscan generar las herramientas específicas para crear un sistema de alerta temprana que sea útil, apropiado y que genere confianza en la gente que lo va a usar. Tener en cuenta las necesidades y los intereses de la población es crucial para el buen funcionamiento de un sistema de alerta temprana, ya que se ha comprobado que la emisión de alerta sola es insuficiente si la gente no participa en su elaboración. Un sistema de alerta temprana tiene 4 componentes. El primero es el conocimiento del riesgo, que con Versátil se coproduce mediante el diálogo entre ciencia y comunidad. El segundo es el monitoreo y las alertas. Actualmente existe una red comunitaria de monitoreo de lluvias en Bermejo, por la cual los productores miden la lluvia en sus casas y se comparten estos datos a través de un grupo de WhatsApp. El tercer componente es la comunicación y la difusión de la información. Con Versátil queremos codiseñar avisos de alerta adaptando los mensajes emitidos por entidades oficiales para que sean más claros para la comunidad que los recibe. De esta manera, la idea es que usen la información oficial y eviten utilizar herramientas de pronóstico automáticos que no son tan precisos. Por último, esta información comunitaria y el diálogo entre las distintas partes busca mejorar el cuarto elemento de un sistema de alerta temprana, que es la capacidad de respuesta de la población de Bermejo ante inundaciones y sequías. La comunidad científica conoce las causas de estos eventos climáticos, pero la comunidad local conoce las consecuencias. Así, este método para crear y mejorar sistemas de alerta temprana a nivel local, junto con la gente, se vuelve muy importante en un contexto actual de crisis climática. Es clave poner a prueba este proyecto y replicarlo en otras comunidades para avanzar hacia una sociedad mejor adaptada al cambio climático. De esta manera, les presento Versátil. Muchas gracias. Bravo, Camila. Muchas gracias a usted. À présent, je vous propose de quitter l'Amérique latine pour aller en Afrique, où j'accueille le premier des 3 candidats. J'invite Wally Faye, jeune chercheur sénégalais. On l'applaudit. Wally, bonjour. Vous allez nous parler du projet Infiltro, un infiltromètre automatique plus rapide et plus précis. C'est à vous, 3 minutes. Connaissez-vous le lien entre mon ami Modou, cultivateur de mil et d'arachide en campagne, et Samba, un entrepreneur de bâtiment à Dakar? Je vais vous le dire. Ils ont un problème lié à l'écoulement des eaux. Le problème commun à mes deux amis, c'est de connaître la manière dont le sol absorbe et libère l'eau qu'il reçoit. Pour Modou, l'agriculteur qui veut une agriculture de précision, son problème, c'est comment optimiser les irrigations, comment préserver la qualité de l'eau et des sols, afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau agricole. Pour Samba, l'entrepreneur, son problème, c'est comment assurer la sécurité et la viabilité des routes et des bâtiments, comment contrôler l'érosion hydrique rapide pour garantir la durabilité des constructions et réduire la pollution de l'environnement. Moi, hydrologue spécialiste de l'hydrodynamique des sols, avec une expérience de 5 ans dans le domaine, j'ai une solution révolutionnaire pour mes deux amis. Il s'agit d'un infiltromètre automatique très précis pour une estimation rapide, fiable et peu coûteuse des propriétés hydrauliques des sols. Contrairement aux méthodes existantes qui sont lourdes et consommatrices de temps, avec une marge d'erreur souvent élevée qui est supérieure à 10%, cet infiltromètre automatise la mesure physique de l'infiltration
ce qui permet une plus grande précision de la mesure, de s'affranchir des erreurs liées aux manipulateurs, d'avoir des informations fiables sur les propriétés hydrauliques des sols et enfin une plus grande réplicabilité en un temps record. Cet infiltromètre va permettre à Modou, l'agriculteur, de réduire les pertes d'eau de 90%, ce qui va lui permettre d'augmenter ses rendements, d'assurer sa sécurité alimentaire et d'améliorer ses conditions de vie en gagnant plus d'argent. À s'en va l'entrepreneur, un gain de temps et d'argent, de garantir la durabilité de ses constructions, d'assurer sa crédibilité, de fidéliser sa clientèle et de gagner plus de marché. Ainsi, mon ambition, c'est de diffuser cette innovation technologique au sein des agriculteurs, des entrepreneurs, mais également au niveau des étudiants et des chercheurs, afin d'améliorer la connaissance fondamentale sur la dynamique de l'eau dans le sol. Sans cette innovation technologique, Modou l'agriculteur ne pourra pas doser efficacement l'irrigation. Les pertes d'eau et de sol vont s'accroître, ce qui va entraîner la chute des rendements et pousser Modou et sa famille à l'émigration. Samba l'entrepreneur ne pourra pas garantir la durabilité de ses constructions, éviter la pollution des ressources en eau souterraines et les effondrements des bâtiments, ce qui va rendre difficile, voire impossible son travail et l'exposer à la prison. J'espère qu'ils ne vont pas en arriver là. Pour conclure, cet infiltromètre est déjà opérationnel et nécessite quelques améliorations pour plus d'efficacité. Ainsi, je sollicite un soutien financier de 14 000 euros pour rendre plus efficace. Préserver l'eau, c'est préserver la vie. Bravo Wally, merci. On accueille tout de suite Tokir Andriatse, doctorant malgache. Bonsoir Toki. Il va nous parler d'un système qu'il a baptisé Lombritana, transformer les déchets ménagers en lombricompost pour soutenir l'agriculture paysanne. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Madagascar ? Madagascar, c'est le pays qui est célèbre pour ses fameux lémuriens, ses baobabs. Mais malheureusement, on est aussi tristement célèbre pour ça, les ordures. En effet, ne serait-ce que dans la ville d'Antananarivo, la capitale malgache, on peut générer jusqu'à 1500 tonnes d'ordures ménagères par jour. Et faute de ressources financières et matérielles, seulement la moitié des ordures est collectée et l'autre moitié est éparpillée partout dans la ville. D'ailleurs, la ville d'Antananarivo est reconnue pour ses montagnes d'ordures et c'est vraiment triste. Mais ce qui m'attriste vraiment, c'est que les mesures de valorisation des déchets sont presque inexistantes malgré la situation dans le pays. En fait, en étant un pays à vocation agricole, Madagascar est composé d'agriculteurs à 80%. Malgré cela, plus de deux tiers de la population ne mange pas à sa faim. L'une des principales causes à cela est la faible fertilité de nos sols, qui est en plus aggravée par la célébrité aux engrais, souvent bien trop cher pour la majorité des agriculteurs. Ainsi, en tant qu'ingénieur agronome, j'ai pour ambition de transformer ça en ressources fertilisantes précieuses à travers le projet Lombritana, diminutif de Lombricompost et Antananarivo. L'objectif du projet sera de co-construire avec des associations paysannes situées autour de la ville d'Antananarivo un nouveau circuit de collecte des déchets ménagers afin de valoriser les déchets en Lombricompost. Le Lombricompost étant un fertilisant déjà très apprécié auprès des agriculteurs, mais qui est aussi très sollicité dans la littérature scientifique, notamment sur ses effets bénéfiques sur la santé du sol, mais aussi sur ses effets bénéfiques sur la capacité des cultures à faire face au changement climatique. Ainsi, le projet Lombritana sera constitué de 5 étapes bien distinctes, la sensibilisation au triage des déchets, la collecte, le lombricompostage, la fertilisation, et il y aura aussi une partie qui sera dédiée à la commercialisation des produits agricoles. Ainsi, le projet Lombritana est innovant à travers
ce circuit qui sera géré entièrement par les associations paysannes, ce qui aura pour effet un impact direct auprès de l'agriculture paysanne. Donc moi, j'ai un rêve. Je rêve d'un futur où dans mon pays, à travers les efforts qui seront entrepris, le lombricompost pourra contribuer à améliorer la condition de vie des agriculteurs tout en favorisant la bonne gestion des ordures ménagères. Merci à tous. Bravo Toki. On vous applaudit. Je prends le micro. On se retrouve tout à l'heure. Et j'appelle tout de suite le dernier candidat, Henri-Joël Dossou. On l'applaudit bien fort. Il arrive du Bénin et il présente le projet PPSE portant sur la surveillance et la gestion des nuisibles dans le port de Cotonou. C'est à vous. Marseille, Cotonou, comme tous les ports du monde, sont sujets à l'importation d'animaux, d'insectes et de microbes qui, une fois qu'ils s'installent et prolifèrent hors de leur territoire d'origine, peuvent sévèrement impacter la biodiversité, la santé humaine et l'économie des territoires envahis. Moi, Henri-Joël Dossou, jeune chercheur béninois en environnement, spécialiste des questions de lutte contre les rongeurs envahissants, je suis mandaté par mon équipe pour vous conter une histoire fabuleuse autour d'une expérience nouvelle en Afrique et probablement dans le monde, et que nous espérons emblématique de l'opérationnalisation de la recherche. Le port de Cotonou ne fait pas exception, d'autant qu'il est un des ports majeurs du fret sous-régional, avec plus d'un millier de navires accueillis par an, et participe à hauteur de 70% du PIB. Malheureusement, nos amis invasifs venus d'ailleurs pullulent dans le port de Cotonou. En exemple, chaque mois, pour chaque entrepôt, plus de 50 000 euros de pertes de riz entreposés sont détruits par ces rongeurs. De plus, nous avons découvert des virus responsables des fièvres hémorragiques sur des rats débarqués au Bénin via ces navires. C'en est trop. Imaginez un seul instant qu'une catastrophe sanitaire, au même titre que la COVID, se déclenchait depuis le Bénin. Cela n'est guère souhaitable. Alertés, les autorités du port ont alors fait un pari en nous proposant un partenariat public privé pour la mise en place de dispositifs de réflexion en amont et co-construite dans la surveillance, la prévention en amont des invasions biologiques. Ce dispositif, c'est la plateforme portuaire de surveillance environnementale. Elle est le fruit d'une intelligence collective assez remarquable et assez rare entre des acteurs économiques, le port, des investisseurs, Enabel, et des scientifiques, l'IRD et trois organismes béninois. Tous ces acteurs pluridisciplinaires et multisectoriels que parfois tout oppose, se sont pourtant mis ensemble dans cet objectif commun. Le tout pour, espérons-le, une réduction claire et nette de l'impact des espèces exotiques envahissantes dans le port. Cette solution, elle passe par l'expérimentation, la recommandation sous la base scientifique auprès du port. Pour conclure, on ne le dira jamais assez, une fois qu'une invasion est constatée, on ne peut plus rien faire. Je sollicite donc votre accompagnement pour mettre en place une application dotée d'une intelligence artificielle pour la détection précoce des espèces exotiques envahissantes. Une diversité de pensées pour une unité d'action. Je vous remercie.